Dans cette vidéo, je vais te montrer comment transférer ton compte Fortnite sans perdre tes skins. Alors, tu vas pouvoir transférer ton compte Fortnite, que ce soit sur ta PS4, ta Xbox ou encore ta Switch. Alors, tu vas déjà commencer par venir sur le site store.epicgames.com. Et là, ce que tu vas faire ici, c'est tout simplement te connecter. Pour te connecter, tu vas venir sur cette icône. Et là, tu vas voir connexion. Puis, tu vas tout simplement te connecter. Alors, après que tu seras connecté, tu vas venir ici cliquer sur compte. Et là, tu seras directement renvoyé vers les paramètres généraux. Alors, ce que tu vas faire ici, c'est défiler jusqu'à ce que tu vas retrouver la rubrique applications et comptes. Alors, ici, tu vas voir tous les comptes avec lesquels tu vas pouvoir associer ton compte Fortnite. Alors, ici, tu vas tout simplement choisir le service sur lequel tu souhaites associer ton compte Fortnite. Alors, je vais par exemple prendre ici PlayStation Network. Tu vas tout simplement cliquer sur associer. Et là, tu seras directement renvoyé vers une page externe. Ici, ce que tu vas faire, c'est cliquer sur associer le compte. Alors là, ce que tu vas faire ici, c'est tout simplement entrer l'adresse email ou encore l'ID de ton compte PlayStation. Et là, tu vas cliquer sur continuer. Et là, ton compte PlayStation sera automatiquement connecté à ton compte Fortnite. Alors, je tiens à rappeler ici que lorsque tu vas connecter ton compte PlayStation à ton compte Fortnite, tes skins ne seront pas perdus. Sois-en sûr, tu vas pouvoir retrouver cela et tu vas pouvoir les utiliser dans ton jeu Fortnite.